Alors Tiwoni, demain tu vas chanter à Cigale en live. Comment se passe la répétition? Ben, ça se passe bien, on a eu 2-3 répètes dans le local de Majestic Gang qui se trouve à Nanterre. Et aujourd'hui c'est le filage, donc ça s'est passé super bien, les gars ils sont super réceptifs et ils sont carrés, tout ça même comme si on était en Jamaica, donc c'est vraiment un plaisir de jouer avec des musiciens comme ça parce que ça, ils nous mettent à l'aise et une bonne communication, un bon échange. Demain, tu vas préparer quoi comme son, des anciennetés, des nouveautés? Ben, en fait, c'est un genre de concept, genre de voyage comme d'habitude, hein, toujours dans l'esprit de ce qu'on fait avec Fefe. Tu vois, donc là, c'est plus un concept solo. Tu vois, que je présente, c'est-à-dire que comme j'annonce une mixtape, bien une mixtape qui va sortir bientôt, et en même temps, je suis en train de préparer quelques morceaux solo, Fefe aussi de son côté. Donc là, ça va être plus la présentation de ces quelques morceaux. Il y aura aussi les morceaux du Revolution, des morceaux du premier album aussi avec Fefe, des morceaux de mon premier maxi, des nouveaux morceaux, des inédits, des combinaisons surprises. Voilà quoi. Ça va être un voyage et j'espère que les massifs vont le check real parce que je pense qu'il y a pas mal de sons qui vont reconnaître eux-mêmes et aussi pas mal de trucs qui vont découvrir, donc on check ça real, massif. Et au niveau des courriers, sur la décoriste avec toi et comment ça se passe? Justement, on a eu la chance d'avoir des super choristes du Majestic Gang. Donc, la Linda est la sœur du Gabon, dont j'oublie son prénom. Mais franchement, elle est sur ça comme si c'était des anges, quoi. Franchement, respect. Parce qu'elles sont super justes, super carrées. Et donc, ça fait toujours plaisir d'avoir un bon support comme ça. Tu vois. Donc, Tiwoni, on te retrouve demain. Et puis, bonne continuation. Yes. Bless. Please defend.